Moustique, assieds-toi, je vais te parler là. C'est comme au Cameroun là-bas. Il paraît qu'on dit tu mougou pas bien, ta femme est à laisser pour aller prendre un petit. Hey! Moustique, c'est à toi que je m'adresse. Écoutez très bien. Moustique, on apprend que quoi? Que tu mougou pas, tu baisses pas bien ta femme. Non, 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 c'est pas vrai. Jusqu'à t'a laissé pour aller prendre un petit. Ah? Mais. Moustique, on doit te déchoir de la nationalité camerounaise. Ça, je te le dis en toute honnêteté. Parce que toutes les informations et toutes les rumeurs nous disent que les hommes les plus compétents au lit, ce sont les Camerounais. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? J'ai dit que... Laisse, mon frère. J'ai vu la photo de ta femme. Une femme un peu poutou-poutou, là. Un peu poutou, pas toi, poutou, pas ton skin milieu. Des femmes que tu mets à genoux sur une chaise. Tu la mets à ta tête, tu mets le visage à plat. Tu es dégué, pas, pas, pas. Mon frère. Tu prends ça. Tu vas organiser un mariage grandiose. Tu enfermes ça dans la maison. Et le bangala ne s'élève pas. Le nom moustique doit avoir des conséquences sur ton bangala. Change-moi ce nom. Parce que finalement, on a l'impression que là-bas, c'est moustique. Ok. Tu as une femme comme ça que tu dois taper matin, midi, soir. Il paraît que tu joues avec ça. Jusqu'à ce que la femme là, te quitte, mon petit. Et tous les Camerounais sont en train de rire de toi. Vraiment, c'est malheureux. Petit, si cette information est vraie, on doit te déchoir de la nationalité camerounaise. Ah bon? Et pourquoi? Tu as humilié tous les hommes Camerounais du monde entier. Tu as été corcufié. Mais attendez-moi, il y a des choses que je ne comprends pas dans cette affaire. Tantôt on dit, oh le gars, il est Yubi. Tantôt on dit, oh non, c'est parce qu'il tombait sa femme. Donc finalement, dis-nous la vraie version. L'affaire c'est très très compliqué. Donnez-nous la vraie version. Parce que l'information que j'entends là, moustique, si cette information s'avait vraie, frère mon gars, s'il y a des choses qui te suivent jusqu'à la fin de ta vie, hein, tu dois rentrer en contact avec le père de la maman rapidement. Je vais te donner une stratégie pour sortir de ça. Rapidement. C'est quoi? On a tous vu le mariage. Le petit moustique a bien fait la couronne. La mariée bien maquillée. Tranquillement, tranquille. Tu prends une femme bien fessue comme ça. Tu rentres avec ça à la maison, tu dors. Mon gars, si. Minimum, c'est manger matin, midi, soir pendant 2 ans. Plop. Oh. Quitte là. Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Il paraît que c'est un petit voyou, là. Qui, chaque matin, te tape ta femme. Mon gars, si. Ça va servir aussi de leçon aux hommes. Écoutez très bien. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un grand président qui disait, il faut savoir choisir ta femme. Si tu allais marier une bordelle, frère, un matin le comportement de la bordellerie va s'élever dans ton foyer, tu seras en train de m'étonner. Voici Manu Bella qui a fait sortir le nom d'Agobert. Toutes les prostituées, tous les poclés, toutes les kizas, les vendeuses de piments sont en train de révéler leur vraie identité sur le son. Le son de Manu Bella est en train de montrer le vrai visage. Des vendeuses de piments qui se sont cachées. Des femmes vendeuses de piments. Les filles qui sont dans les camionnettes au niveau de la France en train de vendre le piment. Chacune est en train de faire sortir sa véritable identité. Rien que pour avoir un peu de buzz. C'est-à-dire même qu'elle envoie la vidéo à Manu Bella, c'est encore pour multiplier et pour augmenter le prix du piment. Connaisseur connaît. Des chants de la bordellerie attirent toujours les bordels. Et Manu Bella elle assise tranquille comme une bonne mamayeuse. Elle ramasse l'argent. Tchac. On dit telle personne durant le chant, c'est pour la dépravation. Elle est tant que le chant, on parle d'elle. La chose rien. Maintenant, Manu Bella, moi, la question que j'aimerais te poser, dis-nous la vérité. Le chant que tu as chanté là, c'est pour te moquer de ton gars si. Point d'interro, gars. Ben, il faut là, tu nous dis. Parce qu'il y a des femmes qui font sortir des chants sur la base des règlements de compte. Si vous voulez cela, je vous le dis. Oh, moi, j'aime les longues d'Abobert. Quand une femme commence à chanter comme ça, c'est que le d'Abobert de son gars si n'est pas long. Oh, 6000. Manu Bella, viens nous dire la vraie vérité. Le chant là, c'est pour te moquer de ton gars si, oublie, c'est comment? Parce que voici, je comprends pas. Donc, on revient maintenant, moustique. Ton Dagobert, comment, mon petit? Je m'intéresse. C'est-à-dire, une femme comme j'ai vu là. C'est-à-dire, tous les soirs, tu dois jouer la musique de Fali Pupa. Naye, naye yo, nikamukunu, naye yo pa, nikanukunu, naye yo pa. Tu fais quoi comme ça? Tu laisses ça jusqu'à ce qu'on prenne esprit de Yubiya. Et on vient coller sur ton visage au pot. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Maman! Petit!
Mais moi-même, le concepteur de la maman, c'est pour ça que je dis qu'il faut créer une école de mugusologie pour prendre les hommes comme Mousti, pour les faire asseoir, pour les enseigner comment damer une femme propre. Eh, mon frère. Maman, je commence à avoir peur. J'ai dit que ma future femme serait camerounaise. Donc, une femme camerounaise, il suffit qu'il y ait des petits problèmes dans le foyer net. Ah, mais le premier électricien qui vient, zap. Non, frère. Sachez choisir vos femmes. Vous êtes pressé à cause de Benjamin Marion. Allez demander à Coco Emilia. Elle va vous enseigner ce qu'on appelle le mariage. Allez lui demander. Pelle Coco Emilia. Allô, Coco. Oui, le mariage des stars, là, c'est comment? Elle va vous enseigner ça. Vous êtes pressé. Une femme commence à vous apprécier net et autre. Il y a des femmes qui t'aiment pas. Elles aiment ta stamania. Et elles veulent rentrer dans ta stamania pour avoir un gars friqué. Il y a des filles qui sont devenues influenceuses, pas parce qu'elles veulent devenir star, parce qu'elles vont augmenter le prix du piment. Même vous parlez, c'est dépassé. Donc il y a des gens connus, nous comme ça, les gens connus. Voilà. Il y a des femmes qui t'écrivent, oh non, je t'aime, tout, elles ne t'aiment pas. Parce que quand tu es une star, la première question que tu dois te poser, est-ce que cette fille pourrait moi m'aimer si je n'étais rien? Vous comprenez dans la compréhension? Est-ce que cette fille peut avoir mieux que moi? Si la réponse est oui, qu'elle peut avoir mieux que toi, respecte-la. Mais si cette fille ne peut pas avoir mieux que toi, et que tu la regardes, elle ne peut pas aimer un autre, ou elle ne peut pas se mettre avec toi si tu n'étais rien. Mon gars, si tu es dans le pain, moustique, mon petit, il faut que tu reviennes à l'école de la vie. Viens nous expliquer ce qu'on veut comprendre, que tu nous expliques ça. Parce que un Camerounais, petit, dont on viendra dire que c'est parce qu'il ne dame pas bien sa femme, qu'il ne tape pas bien la femme. Maman Langaï. Godness! Dans ce pays, mon frère. C'est souillant, hein? Non, il commence à avoir peur des Camerounaises. Une Camerounaise peut abandonner son foyer pour un Dagobert qui ne bande pas bien. Ah, si cette information elle est vraie, petit, c'est pas bon, hein? Les gens sont que les braqueurs de cul. Petit, faut te ressaisir là! Ressaisis-toi vite! Si tu peux aller la voir, réconcilier, vite! Les besoins cadeaux. L'information n'est pas bonne. Pour la première fois, une femme trompe son mari. Où on doit crier sur elle? C'est sur le mari qu'on crie. Ça va si t'es servi de leçon. Parce que le tour des autres, tu les attachais très mal. Très mal. Jusqu'à accuser même l'autre artiste de vouloir être même à la base de la mort de son danseur. Voilà maintenant ce qu'on appelle la loi de la pendule. Le revenant passe. Chacun a son tour chez le coiffeur, Mamadou, Keita. Et tous les hommes sont en train de rire. Pour dire, vous voyez, le grand mariage, ah oui, le gars où il a mis les moyens, ah oui. Sa femme clé brune, ah oui, oui. Pareil qu'il y a un petit là qui l'a récupéré, qui dame ça bien là-bas. Hé, hey, maman. Hé, hey, Allah, on a souffré. Ha! Chégué. Je ne sais pas si le divorce est déjà prononcé. Et le gars est en train de laper ça. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il voit ton visage, il tape ça. Non, j'espère que cette information est fausse. Voilà, donc, Madame Mousti. Tu as 48 heures parce que moi j'ai reçu d'autres informations pour venir m'expliquer la vraie vérité. Sinon je viens sur toi. Mais en attendant, moustique, change de nom. Parce que le thème moustique est en train de rendre en balabo aussi moustique. Ce n'est pas bon. Et puis on lève ta tête ici. Bon, sur ta tête là-bas, enfoiré. On te donne une femme brune, tu peux la baiser matin, midi, soir, tu dors avec ça. Salopard. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.